Dans cette vidéo, on va s'entraîner à convertir des litres en millilitres. Alors, on va commencer par ce tableau-là, cet exercice ici. Et pour se souvenir, eh bien, il faut se rappeler que millilitres, dans, le, dans millilitres, le préfixe « milli » ici, ça veut dire « millième ». Donc, un millilitre, pense à ça, c'est un millième de litre. Donc, autrement dit, pour avoir un millilitre, il faut que tu prennes un litre et que tu le divises en mille. Et encore autrement dit, pour faire un litre, il faut... 1000 millilitres. Donc je peux déjà remplir la première ligne de ce tableau. Pour faire 1 litre, il faut 1000 millilitres. 1000 millilitres, ça correspond à 1 litre. Alors maintenant, mets la vidéo sur pause pour essayer de remplir tout seul les deux autres cases de ce tableau. Alors, puisqu'on sait que 1 litre, c'est 1000 millilitres, eh bien 7 litres, ça sera 7 fois plus que 1 litre. Donc 7 fois plus que 1000 millilitres, c'est-à-dire 7000 millilitres. Voilà. Et puis, on fait exactement le même, le même raisonnement pour 18 litres. 18 litres, c'est 18 fois 1 litre, donc c'est 18 fois 1000 millilitres, c'est-à-dire 18 fois 1000, ça fait 18000. Voilà, 18 litres, c'est 18000 millilitres. Allez, on fait un autre exercice. Alors ici, on nous demande de convertir 15 litres en millilitres. Donc, je te rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que 1 litre 1 litre, c'est 1000 millilitres. Et donc, ici, on n'a pas 1 litre, on a 15 fois 1 litre. Hein. 15 litres, c'est 15 fois 1 litre. Donc 15 litres, 15 litres, ça sera 15 fois 1000 millilitres, c'est-à-dire 15 000 millilitres. Voilà, alors on va en faire un dernier pour être sûr d'avoir bien compris. Ici on nous demande de comparer 9 litres et 90 millilitres. Alors pour comparer deux volumes ici qui ne sont pas exprimés dans la même unité, il faut les exprimer d'abord dans la même unité. Donc on pourrait soit exprimer 9 litres en millilitres, soit exprimer 90 millilitres en litres. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est plutôt exprimer 9 litres en millilitres. Comme ça, on est exactement dans le même cas que tout à l'heure. Alors, sachant ça, mets la vidéo sur pause et essaye de faire ça tout seul, c'est-à-dire de dire si 9 litres est plus grand ou plus petit que 90 millilitres. Alors, je vais réécrire ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vraiment la relation qu'il faut connaître. 1 litre, on a dit que c'était 1000 millilitres. Et donc ici, on a 9 litres, c'est-à-dire 9 fois 1 litre. Donc 9 litres, c'est 9 fois 1000 millilitres, c'est-à-dire 9000 millilitres. Voilà, alors on n'a pas terminé parce que nous, ce qu'on nous demande de faire, c'est de comparer 9 litres et 90 millilitres. Et tu vois que... 9 litres, c'est 9000 millilitres. Donc c'est beaucoup plus grand que 90 millilitres. Donc je vais l'écrire comme ça. 9 litres est plus grand que 90 millilitres.